Par exemple, est-ce que vous étiez bon en français? Comment vous avez eu au bac en français? Pour ceux qui ont passé le bac ou pour ceux qui l'ont eu? Nul. Vous, bien sûr, ce sera le certificat d'études, on en saura plus. Ça va être nul. Vous avez eu combien? Ah non, orthographe, une cata. Et au niveau de l'orthographe, une cata, et le français, j'ai eu 7, je crois. Donc vous êtes mauvais à l'écrit, mauvais à l'oral? Oui, mauvais à l'écrit, mauvais à l'oral. Ah oui, non, 7 en français? 7 en français. Bizarre, vous avez une grande culture, Benjamin. Oui, mais le français, c'est nul. Benaïm, qui a fait Cagne, Hippocagne et Hippopotamus. 12 à l'écrit, 17 à l'oral. Quoi? 12 à l'écrit. Elle a dû embrouiller l'examinateur. Alors, elle doit être 17. Elle est gros, elle est belle. Ouais, vous? Non, je me souviens plus des notes, mais c'est des bonnes notes. Je suis imbattable en orthographe. C'est vrai? Imbattable. Ah oui. Vraiment? On va tester ça dans un temps, vous? Moi, j'ai arrêté l'école à 15 ans, donc je suis une banane en orthographe, mais. Depuis que je fréquente des gens, des fois, je dis en important, grâce à vous, des fois, il faut que j'envoie des mails ou il faut que je réponde. J'ai tellement peur que même le correcteur, il ne me donne pas le mot, en fait. Je suis obligé d'aller sur Google pour aller voir comment ça s'écrit et après envoyer mon texto. Je m'attends pas possible. Mais je suis une banane. Moi, c'est la même école. D'accord, très bien, merci. En tout cas, elle ne veut pas prendre de risques. Vous, Gilles Verdez. 17 à l'écrit, 17 à l'oral. Wow. Oh, combien en mytho? Non, c'est vrai. 17 à l'écrit, 17 à l'oral, espèce de mytho. T'as eu 17 au bac. Ouais, 18 en français, et t'es ici. Ouais, et 18 en philo. Et 18 en philo. Mais frère, allez, prends tes affaires, barre-toi. Barre-toi de là, casse-toi d'ici. Non, mais c'est ouf. T'as eu 17, 17 et 18. C'est énorme. Parce que j'avais eu 3 en maths, j'avais arrêté les maths, en fait, donc il fallait que j'ai déçu. Ouais, ouais. C'est ouf. Bravo. Vous, combien vous avez eu, vous? 15 à l'écrit, 16 à l'oral, 16 en philo. Ah, mais c'est en latin, elle c'est en latin, elle en français. J'avais fait option en latin, j'adore. C'est vrai, je me rappelle, elle faisait des dictanus. C'est vrai. Alors, j'ai passé un bac B, sciences économiques et sociales. À l'époque, on disait B. 14 à l'écrit, 12 à l'oral. Non, oui. Quand même, mais il est bon aussi, mon tien, là. Non, j'étais meilleur en philo, j'ai eu 16 en philo. Wow. Excuse-moi, tu crois que tu vas me faire toute ta colombe. Et en maths, 8. Quoi? Ah ouais, mais il fallait vraiment me la faire, en fait. Vraiment, là. Vous, Christine Kelly? Franchement, je ne me rappelle pas du tout parce que je détestais le français. Ah bon? Et je ne me rappelle pas de mes notes. D'accord. Ouais, bah, c'est ni le français, ni l'histoire. J'aimais les maths, que les maths, la physique. Vous avez combien en maths? Je ne sais pas, une bonne note, mais honnêtement, j'oublie les notes. Comment elle se la pète? Non, mais sérieux. Je ne sais pas, mais j'en ai marre, mais sans rigoler. Mais redescendez 2 minutes sur terre, là-haut. Je devais avoir 8. Si, tu te la pètes. Alors, Doc Gynéco. Moi, je suis très nul. J'ai écrit en sténo. Quoi? J'ai écrit en sténo des hiéroglyphes. Je ne fais pas. On va isoler cette phrase. On va isoler cette phrase et on va vous l'envoyer. Essayez de savoir ce qu'il a voulu dire. Il a dit: j'ai des hiéroglyphes sténo. Oui, j'ai une écriture pas possible, impossible, vraiment. Mais vous avez passé le bac? Même pas, non. J'ai pas... Vous n'avez pas passé le bac? Non, j'ai arrêté l'école moi aussi, mais plus tard quand même. Hein. Plus tard que le bac? Non, avant. Donc vous avez eu le bac? Non, il est passé devant. Non. Mais vous avez fait quoi? En troisième. Quel est votre cursus? Rien de particulier, j'ai beaucoup traîné dehors. D'accord, mais au niveau des études, t'as été au lycée? L'école en quelle classe? Ah, pas, je sais plus. Hein. Vous avez été au collège? Bah oui. Oui, au collège, ah, oui. Le collège, c'est jusqu'à troisième, alors? Ouais, c'est ça. Et après la seconde, ça vous dit quelque chose? Non. Ça vous dit quelque chose? Après, j'ai embrayé, j'ai passé la première. Oh là là. Non, j'ai pas fait tout ça d'études, c'est beaucoup, ça. C'est vrai que c'est beaucoup. Et vous, c'est beaucoup, combien? C'est notes, on va pas revenir sur mes notes en français. Si. C'est beaucoup. Combien? Je vais vous dire la vérité. Il écrivait ses bulletins. Je dis, c'est pas une vanne. J'ai eu 12 à l'écrit. C'est bien. Et j'ai eu 13 à l'oral. Non. Mal payé. On va vérifier. Non, je vous le dis. Non, c'est bien. Vous étiez tombé sur... Vous vous souvenez du texte que vous avez lu? Bien sûr. Les lettres persanes. Montesquieu. Montesquieu, oui. Que j'embrasse, d'ailleurs. Je mangeais avec lui hier soir. Il a un bon coup de fourchette. Bon, alors...